les mêmes images, ou presque, chez François Bon. C'était il y a presque 8 mois. Revenir au lac, au marais à peine recouvert par les eaux. Repasser toujours par les mêmes lieux. Les mêmes points de passage. Cela n'empêche que si un plasticien vient intervenir dans le cadre du périscolaire, l'enseignant, lui, dans ses heures donc d'enseignement, même dans le premier degré, doit mettre en œuvre le programme d'art plastique, cycle 2 comme cycle 3. Vous voyez, donc les arts plastiques, si je prends l'exemple des arts plastiques, peuvent être travaillés dans le cadre scolaire du premier degré, donc de la classe de CP jusqu'à la troisième, de manière obligatoire, et ils peuvent être travaillés dans le cadre du périscolaire dans le premier degré, comme dans le cadre donc d'ateliers ou de différents dispositifs qui ne se font pas sur le temps de la classe de l'art plastique aussi dans le second degré. En tout cas, et faire ce travail-là de médiation auprès de leur famille, auprès de leurs parents, et derrière, donc aussi avoir un recul, etc. Et l'école prend ces trois temps-là en compte aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, il y a une dimension à l'évaluation qui va être certificative. Incroyable. Pour aller dans un film, c'est lui qu'on voit d'habitude. Bah non, elle est pas de 96, je sais pas en fait. Mais c'est écrit, elle est de... Oui. 0401, c'est 2001. C'est-à-dire que c'est pour la voiture, le modèle entre telle année et telle année. Toi, s'il est 2003, elle est plus vieille, elle est plus récente, donc ça correspond pas. Joyeux La congrégation est le lieu favorable pour accéder à ce que François désire depuis toujours, la connaissance. Savoir et comprendre. Comprendre le temps, l'espace. Celui qui connaît le temps possède l'espace. En fabriquant des objets contenant superbement ces temps et espaces, les cadrans solaires, les orgues.